Le passé composé de l'indicatif ou passé composé est un temps de conjugaison du verbe. Comme son nom l'indique, c'est un temps du passé. Il relate des événements qui sont terminés. Et comme son nom nous l'indique également, c'est un temps composé. Le verbe conjugué est formé de deux mots. Le passé composé avec le verbe avoir se conjugue avec tout d'abord le verbe avoir conjugué au présent, plus le participe passé du verbe. Par exemple, j'ai joué, on a et a i le verbe avoir au présent, et jouer le participe passé. Tu as grandi, a est le verbe avoir au présent, et grandi le participe passé du verbe grandir. On a perdu, a le verbe avoir, perdu le participe passé. Nous avons trouvé, avons c'est le verbe avoir et trouver le participe passé du verbe trouver. Vous avez fait, avez pour le verbe avoir au présent et fait pour le participe passé du verbe faire. Et elles ont marché, ont, ont pour le verbe avoir conjugué au présent et marché le participe passé du verbe marcher. Le participe passé d'un verbe dépend de son groupe. Les verbes du premier groupe, les verbes en er, ont un participe passé en e, e accent aigu. Par exemple, manger, parler, chanter, jouer. Les verbes du deuxième groupe, les verbes en IR qui font ils sont au présent, ont un participe passé en I. Grandi, fleuri, fini, choisi. Pour les verbes du troisième groupe, il y a différentes possibilités. Ils peuvent avoir un participe passé en U, en S ou en T. Le verbe prendre, par exemple, a lui comme participe passé pris, IS. Faire a le participe passé fait, dire a le participe passé dit, et voir a pour participe passé vu. Les verbes être et avoir se conjuguent également au passé composé avec le verbe avoir. Être aura pour participe passé été, e accent aigu, t, e accent aigu, et avoir a pour participe passé eu, e, u.